Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 7 mars. Du métal à voisin le bretonneux pour cette 7e édition, Métasos mise sur le métal alternatif, groupe amateur et tête d'affiche se partageront la scène. Rabelais reprend vie, 50 ans après sa création, l'œuvre de Jean-Louis Barrault retourne sur scène, un spectacle de troupes foisonnant pensé par Hervé van der Meulen. Et 27 films en compétition, ce week-end c'est la 9e édition de L'Ombre d'un cours, le festival international du court-métrage de Julien Josas, deux jours de projection pour décerner 10 prix. Une folk douce aux accents rock, la rambolitaine Caroline Biot joue ce week-end avec son groupe. Autodidacte et passionnée, ils font la première partie de Pomme à l'usine à Chapeau de Rambouillet. Nous avons assisté à l'une des répétitions. C'est l'histoire d'une femme qui est heureuse dans la vie. Un métier, des enfants, la musique, les amis. Étudiante infirmière en semaine, meneuse d'un groupe le week-end, Caroline Biot chante depuis son enfance. La rambolitaine commence son parcours musical par le chant. En troisième, j'ai été élue soliste de la chorale des Yvelines. Et j'ai fait ma première scène, en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne voulais plus arrêter, que c'était trop bien. Et du coup, je me suis inscrite à la MJC à des cours de chant. Donc là, ça fait 7 ans. Et ensuite, j'ai acheté une guitare. Pour pouvoir composer les textes que j'écrivais depuis plusieurs années. Et j'en avais marre d'attendre après des copains pour composer, etc. et jamais pouvoir faire les choses moi-même. De la variété folk, rock, Caroline Biot écrit, influencée par Daniel Balavoine, Gaël Faye et Massive Attack. En septembre dernier, elle sort son premier album avec ses 4 musiciens. Elle est subtile, elle est juste, voilà, mais ça c'est normal. Elle fait passer de belles émotions, quoi. Elle est très sensible à beaucoup de choses et elle le fait vraiment ressortir dans ses musiques. Sur sa porte, une arpente, si vous pouvez tout écrire. Elle prendra en photo tous les mots qui la feront rire. Une voix cristalline sur des compositions personnelles, Caroline Biot et ses musiciens remontent sur scène le samedi 10 mars.